Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 27 mars 2022. Il est 8h, Mina est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour, Nour. Comment ça va, Mina? Très bien. Très bien. Alors, Mina, aujourd'hui, nous aurons à aller faire un tour du côté du Sila. C'est l'événement de la semaine. Et comment? Oui. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui est sorti en hommage donc, à l'un des piliers de la chanson Shabi. Alors, il est... en fait, c'est... Tout ce qu'il a fait pour le Shabi, tout ce qu'il a fait pour la chanson algérienne, il lui a valu le nom de Sultan le Roi. Ça te dit quelque chose? Amar Zahi, qui d'autre, mis à part Amar Zahi, effectivement. Il nous a quittés depuis 7 ans, donc en 2016. Un livre lui a été consacré donc, par Abdelkader Bendamach. Nous reviendrons sur cet hommage. Également, en 2009, tu te rappelles ce qui s'est passé en 2009? Un très bel événement culturel. Oui, le PANAF. Le PANAF, effectivement. C'était la deuxième édition du PANAF 40 ans plus tard, puisque la première édition s'est déroulée en 1969. Oui. Donc en 2009, il y a eu la deuxième édition du PANAF au niveau du SILA. D'ailleurs, il y a eu un espace exclusivement dédié donc, pour l'expression, pour les livres, pour les expositions à la littérature africaine. C'est un espace qui est devenu finalement une tradition dans le SILA. Donc, c'est un espace très riche aussi. C'est un espace très riche, effectivement. Il s'agit donc de l'esprit PANAF. Donc on peut assister à tout un programme culturel, littéraire tout au long donc, de ce salon. Nous aurons donc à revenir sur le programme littéraire donc, qui a été programmé pour cette année. Excellent. Nous parlerons également de théâtre, ça te dit quelque chose? Oui, évidemment. Comment, évidemment. Le père de tous les arts, c'est ce qu'on dit? Le théâtre, n'est-ce pas? Le premier, l'un des premiers des arts. Et justement, pourquoi on en parle aujourd'hui? Pour la simple et unique raison que nous célébrons la journée mondiale du théâtre, donc qui correspond au 27 mars de chaque année. Donc nous reviendrons sur tout le programme donc, du théâtre. Et on devrait national. Essayer un jour. Pardon? On devrait essayer un jour. Ah, tu ne l'as pas fait à l'école? Théâtre? Théâtre, oui. Non. Non. Mm-hmm. Non, peut-être que... Oh, si. Oui, mais des pièces trop sérieuses, c'était pas trop mon D'accord, truc. D'accord, alors je vais... Le sérieux n'est pas... Alors je vais dire que je suis très chanceuse, moi. Parce que nous avons fait beaucoup de pièces théâtrales, effectivement. Oui. Il était question qu'on en fasse au moins une par trimestre. C'était par trimestre. Tout au long, donc, nous, c'était quand il y avait des événements, oui. Novembre, 16 avril. En plus voilà. Des événements, effectivement. Donc ça a duré, une fois tous les trimestres, ça a duré donc, tout au long du primaire. Et ensuite, quand on est arrivé au collège et au lycée, c'était événementiel. C'est dommage, voilà. Ça devrait être et d'ailleurs, justement, on va en parler aux côtés de nos invités, plutôt en compagnie de nos invités, pardon, donc du programme, donc du théâtre, mais aussi de l'ISMAS, puisqu'il y a un institut des arts, justement, qui dispense toute une formation pour le théâtre. Et également, Yazid El Mahid sera parmi nous ce matin, comme à l'accoutumée. Lui, il va tirer un carton rouge ce matin, par contre. Oui, il va tirer un carton rouge par rapport aux accidents de la route. Ah, il a raison. Voilà, il a raison. Et surtout avec l'approche de Ramadan, donc nous sommes à la veille de Ramadan, on sait très bien que malheureusement, les chiffres donc, des accidents augmentent le mois de Ramadan saison estivale. On ne sait toujours pas pourquoi. Voilà, donc là, Yazid Aït Mouhidine a décidé aujourd'hui de tirer carton rouge ce matin donc, par rapport aux accidents de la circulation. Il a décidé aussi de rendre hommage à l'équipe nationale. Eh oui, puisque là, donc il y a eu une très belle victoire donc ce vendredi face au Cameroun. Donc le match retour c'est pour après-demain. Après-demain mardi. Donc au stade Mustapha Chaker. Chaker, pardon. Ce sera donc au niveau de Blida et justement, Yazid El Mahid s'intéressera au foot dans la littérature, dans le cinéma et dans les arts, puisqu'on a beaucoup écrit sur le foot. Il s'intéressera, ou plutôt il nous présentera également l'image du jour. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir cette image du jour. Nabila Abada nous emmènera pas très loin d'Alger, tu peux deviner? Pas très loin d'Alger, on a le choix, ouest, est. Est, du côté est. Est, Boumerdès, Tizi Ouzou. Voilà, elle nous emmènera du côté de Tizi Ouzou en escapade. Et nous terminerons l'émission, comme à l'accoutumée, accompagnée de Meryem Oussaïd, elle qui va nous donner de bons conseils, encore une fois, pour le choix de nos plantes, d'autant plus que nous sommes en plein période de printemps. Oui, et voilà. Donc voilà pour le menu de cette matinée. Avant de commencer, donc, ce sera les nouvelles du ciel. Emine Arabet est déjà sur place pour nous en dire un peu plus. Présenté par Mobilis. Il a bien plu ce matin.
Oui, sur les hauteurs. Sur les hauteurs, parce que là, moi, là où j'habite, j'habite. En tout cas, là où moi j'habite, on a vraiment été gâtés par la pluie ce matin. Vous avez eu de la chance. Hein. J'ai eu de la chance. Les gens du quartier devaient être contents. Nous aurons de la chance tout au long de la journée. Non, enfin, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut. Ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend où. Et ça dépend où. Bah, de toute façon, on veut toujours de la pluie. Ah non, de la pluie, là, il faut partir à l'est. Il faut partir à l'est. Le plus important, c'est qu'il y ait de la pluie. Exactement. De toute façon, il y a des barrages partout. Oui, un petit peu partout. Le plus important, c'est que les barrages se remplissent. Voilà, j'espère que ça va continuer encore, hein, la pluie, au moins jusqu'à la fin du mois. On espère bien. Mais sinon, d'après ce que tu nous dis, on va essayer de deviner qu'on aura du soleil aujourd'hui. Exactement. Un beau soleil. Ah, bah, De bonnes températures. Voilà. Donc, saison, on va dire, un temps plutôt printanier, plutôt saisonnier. Oui, exactement. Mais on a quand même besoin de pluie. Hein, avec... Hier, il y a eu un petit peu de sable sur le centre. Et comme il n'y a pas eu beaucoup de pluie, donc ça reste encore un petit peu présent. Ça, c'est dérangeant quand même. Ça, oui, effectivement. Ça donne quand même un temps plutôt lourd. Plutôt lourd et c'est mauvais pour les gens malades, les asthmatiques. Voilà. Surtout. Donc il faut faire très attention. Effectivement. Un peu plus de détails, Mina. Avec plaisir. On y va. Merci beaucoup, Nord. Alors, comme je le disais, le temps s'améliore petit à petit. À l'ouest et au centre, avec en journée un ciel dégagé, un peu nuageux, mais en revanche, vers la partie est, on aura toujours des passages nuageux avec quelques pluies. En journée, des pluies également, le long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud, au Garlotassil et le Sahara oriental. On aura un ciel dégagé. Sur les oasis, la Saoura et le Nord Sahara avec de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le Sahara central et le Nord Sahara. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 21 degrés à Naba, on notera 20 degrés à Alger, 21 également à Oran, 19 Tizi Ouzou ainsi qu'à Constantine, Djulfa, Al-Boyad et Lama, 28 Hassim Saoud Gherdaya, 26 degrés à Béchar, 31 degrés à Tindouf, 33 degrés à Darar, 34 à In Salah et enfin la maximale atteindra les 39 degrés à Borj Bedi Mokhtari In Gezem. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer peu agitée à l'est du pays, agitée à l'ouest et au centre avec des vents entre 20 et 30 km/h, vers la partie ouest entre 10 et 20 km/h sur le centre et enfin entre 30 jusqu'à 40 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. On notera de la neige à Moscou, un ciel dégagé à Istanbul, voilé à Vienne, Berlin, dégagé à Paris. Côté Mercure, on notera 16 degrés à Madrid, 23 à Lisbonne, 22 degrés à Rome, 18 à Vienne, 16 à Berlin et enfin 14 degrés à Istanbul. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Des températures plutôt saisonnières, oui, hein, finalement. Et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Oui. Nous à part quelques villes où il fait 14, Moscou, 16 degrés. On est à moins 1 quand même. Mais bon, c'est Moscou. Oui, ça fait toujours l'exception. Hein. Moins 1 de la neige. finalement. Très bien. Donc, 1 degré de plus qu'hier. Je tiens à le rappeler, c'est toujours à l'ombre. À l'ombre. Donc il va faire un peu plus chaud, surtout vers midi. Exactement, vers midi, une heure, oui. Ah bah très bien. Merci beaucoup Mina. Merci Noël. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Avec plaisir. Après celui de 19h. Et le week-end prochain. Et à 9h30. Et à 9h30 aujourd'hui pour un bon café. Sans sucre, s'il voilà. te plaît. Merci beaucoup Mina, allez à tout à l'heure. Et on continue, cette fois-ci, ça va être un hymne à Mama Africa. Et ce sera en compagnie de, tu devines? C'est une icône en tout cas de la chanson africaine, Maria Makiba. Bah voilà. Et comment? Allez, je vous laisse apprécier cette chanson, on se retrouve juste après. I said,
Et nous allons rester dans l'esprit PANAF à travers un espace qui a été dédié donc à la culture, l'expression, la littérature africaine, et ce depuis 2009, au niveau du SILA, donc du Salon International du Livre d'Alger. Nous en parlons ce matin en compagnie du chargé de la programmation littéraire, M. Lebdey Benhouda. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Benhouda. Eh bien, écoutez, merci pour l'invitation. Marhaba bik, et toujours heureux d'être à Bonjour d'Algérie. Le plaisir est partagé. Alors, il faut dire que l'esprit PANAF s'est vraiment imposé comme une véritable tradition aussi là depuis 2009. Absolument, depuis 2009, effectivement, l'esprit PANAF est un lieu de rencontre, de débat, de conférence, dans la convivialité et dans l'échange surtout. Et cette année, je suis absolument très très étonné par l'affluence record des personnes qui viennent, qui ont lu le programme et qui viennent et qui restent tout au long de l'après-midi, parce que les séances Esprit PANAF commencent, disons, vers 14h, 13h30. Mm-hmm. Et le stand, la salle cette année est assez grande, et les gens restent, s'assoient et ne partent pas, et surtout participent au débat avec des questions très pertinentes, ce qui nous ravit. Effectivement. Alors justement, qu'est-ce qui a été retenu comme programme pour l'esprit PANAF? Alors, ce qu'on a les premiers jours, on a j'ai présenté moi-même une vue globale de la littérature postcoloniale africaine. Et bon, quand je dis postcoloniale africaine, c'est l'Afrique non pas subsaharienne uniquement, mais l'Afrique d'Alger à Cape Town. Donc, y compris l'Afrique du Nord. Et donc, j'ai présenté l'évolution de ces littératures au XXIe siècle. Donc, et c'était le thème, disons, de toute la semaine. Et donc, après cela, on a parlé des femmes africaines à travers la littérature. Et hier, nous avons abordé la question de la restitution des œuvres d'art à l'Afrique, par la France en particulier, par exemple pour le Sénégal, le Bénin et évidemment l'Algérie, où il y a un grand grand combat pour ces pays donc, qui ont été colonisés. Absolument. Mmh. Et donc avec une romancière, Cécile Gomme, qui a écrit un roman sur, je vous raconte très rapidement parce qu'on n'a pas le temps, l'histoire, mais elle est assez intéressante, c'est-à-dire qu'une une Sénégalaise qui visite le musée du Quai Branly et elle tombe sur un masque qui lui parle et le masque lui dit « j'ai envie de retourner chez moi ». Le masque est très représentatif d'ailleurs voilà, de la culture africaine. Voilà, le totem, etc. Et donc le masque effectivement revient et c'est là qu'il revit et qu'il redonne vie au village, à la tribu d'où il a été pillé. Et le retour aux sources, exactement. Voilà, effectivement. Donc ça, c'était, et bien entendu, le programme va encore se dérouler tout au long de la semaine. Toute la semaine. Et donc, demain, et nous parlerons de la question des réseaux sociaux, qui sont très, très importants aujourd'hui pour la diffusion de la littérature, des littératures africaines, surtout sur un continent où le livre reste quand même assez cher, assez onéreux, pour les jeunes en tout cas. Et donc, les blogs, les réseaux sociaux, voilà, ça a été, c'est un thème qui est assez intéressant pour voir que les réseaux sociaux ne sont pas uniquement des lieux où voilà, on trouve tout et n'importe quoi. Ils peuvent être très très utiles et très positifs. Donc il ne faut pas, jeter le bébé avec le bain, avec l'eau du bain. Voilà. Et nous aurons une rencontre avec Rachid Boujedra lundi. Qui sera suivi par la littérature mauritanienne et la littérature sénégalaise en évolution. Et les autres jours, nous aborderons la question du cinéma.
avec un cinéaste tchadien qui s'appelle Mohamed Salah Haroun, qui a eu un Oscar pour son film Lingui et d'autres films au Festival de Cannes. Et il a écrit un roman sur lequel nous allons discuter, parler avec le public algérien, L'écu reptile. Et avec, bien entendu, un spécialiste de cinéma de chez nous, Ahmed Bedjaoui, qui sera également présent. Il y aura Akli Tadjer. Et nous attendons, j'espère, la présence de Djaili Amadou Amel, qui a écrit Les Impatientes sur la question des femmes, la polygamie et le fait que les femmes, même dans ces situations-là, c'est ce qu'elle décrit dans le roman, elles réussissent à mener un combat en interne, si j'ose dire, pour se libérer et pour s'assumer en tant que femme dans une société patriarcale et machiste. Alors, ce que je voulais vous dire, justement, il faut dire qu'en Afrique, les pays africains sont très différents en matière de culture, en matière de tradition. Absolument. Mais j'ai envie de dire que, on va dire, tout ce qui a trait à la société, tout ce qui a trait à la culture sociale, tout ce qui a trait aussi au sort, à l'histoire, finalement, c'est très lié. Il y a beaucoup de points en commun. C'est mon combat. Voilà, pour moi, le Sahara n'est pas une frontière. Le Sahara est un lien entre les pays d'Afrique du Nord et en particulier l'Algérie et la Tunisie et les pays du Sud, donc les pays sahéliens et beaucoup plus loin, l'Afrique du Sud, bien entendu. Et même, c'est-à-dire que l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, comme on le dit par certains critiques, ce n'est pas un bloc monolithique. Donc les pays noirs ne se ressemblent pas tous. Et donc séparer l'Afrique du Nord de l'Afrique du reste du Sahara, c'est d'une certaine manière une forme de racisme. Et justement, comme vous le soulignez, et vous avez tout à fait raison, l'histoire coloniale a façonné, a influencé les pays de toute l'Afrique, et leur combat est le même, c'est la récupération de la culture africaine, c'est l'affirmation de soi et la relation avec également la diaspora. Et d'ailleurs, par rapport à cela, mercredi, on aura au stand de PANAF Akli Tadjer, qui vit en France et qui a écrit sur l'immigration et toutes ces questions-là. Et il sera présent, je crois, vers 13h30 au stand du SILA. Et donc, comme le font les auteurs africains, les auteurs sénégalais, pardon, tchadiens, on aura un tchadien, Bios Diallo, qui sera présent et qui va parler de comment la littérature mauritanienne n'est pas différente, même si les cultures locales sont différentes. Mais les thèmes principaux sont quand même, restent au fond, la lutte contre la corruption, bien entendu, et la libération de la femme. Effectivement. Et justement, vous-même, vous continuez votre combat à travers vos écrits et vous avez édité donc un livre, Winnie Mandela. Absolument. Alors oui, alors grâce à Casbah Édition qui l'a édité, et je remercie Feu Lahermo Mouloud Achour qui a beaucoup promu donc cet ouvrage. Et Casbah Édition, je crois qu'il a été bien vendu d'après ce que j'ai compris. Et dans cet ouvrage, je montre que derrière, qu'il y a Nelson Mandela, la figure emblématique internationale, mais sans Winnie Mandela, Nelson Mandela n'aurait pas été Nelson Mandela. Et c'était important pour moi de le dire, parce que durant les 25 ans où il a été emprisonné à Robben Island, au large de Cape Town, c'est elle qui a fait en sorte pour que le nom Mandela reste présent dans la lutte anti-apartheid. Et sans elle, je crois que Nelson Mandela n'aurait pas été celui qu'on a connu. Bien entendu, il a ses mérites. C'est pas, je ne conteste pas du tout ses positions, sa lutte, et puis il a payé quand même de sa vie avec 25 ans en prison. Mais c'est elle qui a mené la bataille. Elle a fait de la prison aussi. Et c'est ce que je développe. Et dans la dernière partie,
je fais une comparaison entre à travers mes recherches et mes lectures, etc. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de similarités entre Winnie Mandela et Djamila Bouhelet. Oui. Et c'est absolument. Et plus je lisais donc la dernière partie, le dernier chapitre de cet ouvrage, justement, fait cette comparaison des femmes qui ont lutté, qui ont le même parcours, Soweto, la Casbah, l'éducation, les pères qui ont voulu que leurs filles étudient, et elles ont honoré ces pères-là qui leur ont permis d'étudier et de lutter, et effectivement s'engager dans la révolution et dans la lutte contre tous les colonialismes et tous les racismes. Alors il faut dire quand même que lorsqu'il y a de grands noms comme ça, comme Nelson Mandela ou d'autres, généralement on axe tout le travail, toutes les recherches sur ces personnages-là, mais effectivement on ne donne pas beaucoup d'importance à toutes ces personnes qui sont derrière, notamment leurs femmes, comme c'est le cas pour Winnie Mandela. Est-ce qu'on peut dire que ça rentre un petit peu dans votre combat, on va dire, encore une fois, pour on va dire, les droits de la femme? Mais absolument. Mm-hmm. C'est-à-dire, même chez nous, les moudjahidettes, elles ont combattu, elles ont lutté, etc. Ouais. Et après l'indépendance, comme l'a dit Fadela Barabat, on leur a demandé de retourner aux casseroles et aux cuisines. Et donc, la lutte continue même après les indépendances. Mmh. Et beaucoup de femmes l'ont fait, mais beaucoup aussi ont été reléguées au second plan, si j'ose dire. Mais la question de la femme, d'ailleurs, il y a de plus en plus de romancières africaines, algériennes, tunisiennes, marocaines et sénégalaises, etc., qui écrivent de plus en plus sur leur propre vécu. Mmh. Bien Parcours. Entendu, il y a les romanciers qui en parlent, mais d'un point de vue masculin, mais par rapport à la femme, elle parle de l'intérieur. Et cet ouvrage, édité chez Casbah Éditions, je suis heureux de l'annoncer ici à Bonjour Algérie. Avec l'accord de Casbah Éditions, il est repris par l'Harmattan Guinée, pas l'Harmattan Paris, l'Harmattan Guinée, pour qu'il soit diffusé à travers toute l'Afrique. Et ça lui donne une seconde vie. Effectivement. Donc ce soir, si vous permettez, à 14h, je fais une signature à 14h au stand de Casbah Éditions. Ah ben voilà, on vous retrouve ce soir et on vous retrouvera tout au long de la semaine. Absolument. D'ailleurs, au niveau de l'espace Esprit Panaf, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Monsieur Lebda Ibn Aouda, vous êtes le chargé de la programmation littéraire au niveau de l'espace Esprit Panaf. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous. Matin. Et on continue. Cette fois-ci, ça va être encore une fois un hommage à tous les écrivains, d'ailleurs, qui ont combattu le colonialisme à leur manière. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Il s'agit d'un hommage pour les écrivains algériens qui ont combattu grâce à leurs plumes pour mettre à nu les atrocités commises par le colonisateur français contre le peuple algérien. De grands noms devenus aujourd'hui des classiques de la littérature algérienne. En utilisant des procédés littéraires, d'écriture très compliqués, il réussit à nous faire ressentir l'angoisse de la guerre, l'incertitude de la guerre. Comment un individu se sent pendant la guerre en situation complètement désemparée, où il ne... rien, tout est incertain, les choses changent tout le temps, il ne sait pas qui est son ami, son ennemi tout le temps. Et pourtant, malgré ça, Mouloud Firaoun dit dans ce roman que l'Algérien a la force en lui-même de pouvoir dépasser cela. Pour rendre hommage aux grands noms de la littérature algérienne, les pionniers qui sont partis trop tôt, avant même le soleil de l'indépendance, assassinés, jetés par les chiens, comme le cas de Abdelrabi Abouchama, brûlés vifs, comme le cas d'Abdelkrim Lagoun, etc., et assassiné par l'OAS, comme le cas de Mouloud Feraoun. Et donc, on a parlé de tous ces gens-là, non seulement comme martyrs, comme tous les martyrs, le million et demi de martyrs algériens, mais aussi comme des créateurs, comme des pionniers, chacun dans leur domaine.
Un hommage organisé à l'occasion du 60e anniversaire de la mort de Mouloud Feraoun. La mémoire, c'est toujours subjectif, c'est toujours une transmission, quelque part. Et si la génération passée ne transmet pas, n'appelle pas les nouvelles générations à partager cette mémoire, on aura failli quelque part. Cette série de conférences se poursuit jusqu'au 31 mars prochain. Conférences ouvertes au public qui vont aborder dans le détail l'histoire et la littérature algérienne. Et voilà, de retour sur le plateau, et cette fois-ci, ça va être un hommage, comme je vous le disais ce matin, un grand pilier de la chanson, Chaabi Sultan Lahoua Merzahi. Nous en parlons à travers un livre qui lui a été dédié par donc, Monsieur Abdelkader Bedamesh, bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour. À vous. Toujours satisfait, toujours bien dans le boulot que je suis en train de faire, rendre hommage aux grandes personnalités. Et Amar Zahi est une grande personnalité. Effectivement, ouais. C'est bien mérité quand même. Ouais. Alors, M. Benhamed, justement, écrire sur Amar Zahi, ouais. Ça a été facile pour quelqu'un qui ne parle pas? Qui ne parle pas, ou il n'y a aucune référence, aucun livre, aucun document écrit, ni publié, ni rien du tout, sauf quelques rares contributions comme ça dans la presse nationale. Et c'est tout. Mais j'étais avantagé parce qu'il fait le même métier que j'ai fait moi-même. Oui. Donc la chanson Chaabi, je la connais bien. Donc je suis parti déjà avec un avantage sur beaucoup d'autres, qui est cette atmosphère du Chaabi. Mmh. Et dans le Chaabi, il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur, que je connais. Donc, j'ai pu facilement aborder. Plus, il y a des aspects comme ça que nous ne pouvons pas aujourd'hui élucider, sauf après peut-être plusieurs décennies. D'autres chercheurs vont venir après. Ils vont peut-être élucider cette grande personnalité qui a été franchement dans le ciel artistique. Il a été magnifique, il a été dans la constellation des artistes dès le lendemain de l'indépendance, en 1963 exactement. Et puis après, il a connu la gloire, et puis après, vers les années, début des années 80, il s'éclipse une fois, et ensuite il revient très très fort en 1987 à la salle Ibn Khaldoun. C'était le 10 et 11 février 1987, c'était quelque chose de magnifique aussi, et puis encore re-éclipse, et puis par la suite il devient comme un ascète, comme dans le monde mystique où il se renferme dans sa bulle, et c'est à ce moment-là que sa dimension commence à prendre. Donc quand est-ce que j'ai pris la décision, franchement, de lui consacrer une publication? C'était le jour de son enterrement. Oui. C'était l'Algérie entière qui était debout pour lui dire merci. Alger était pratiquement fermé. Mm-hmm. Et le monde qu'il y avait, d'abord il n'y a qu'à voir les images, le monde qu'il y avait, on a rarement vu en Algérie depuis l'indépendance. Et puis voilà, sauf Hajj Mrizek en 1955. Mm-hmm. C'était le 13 février 1955, le jour de un enterrement, c'était aussi comme ça. Donc Amar Zahi reste cette icône de la chanson algérienne d'une façon générale, qui a changé la face du Chaabi. Et pourtant, tout à fait au début, il a imité à 100% Hajj Boujmal Anqis. Mm-hmm. Si bien que Hajj Boujmal Anqis, en écoutant Amar Zahi, pensait que c'était lui. Et ça, c'est pour l'anecdote. Il a connu cette gloire immense avec l'imitation à 100% de Cheikh Boujmal Anqis. Et ensuite, il fait la rencontre de grands maîtres. Il a eu la chance de rencontrer Mohamed Lahlou, il a la chance de rencontrer Ibrahim, Cheikh Hamdan Qabaili, c'est lui son maître, et en même temps c'est le maître aussi de Hajj Boujmal Anqis. Et il rencontre par la suite un monsieur qui a été franchement son mentor, ce monsieur qui lui a donné toute la dimension musicale, qui s'appelle Dour Bachtobji. Ce monsieur reste avec lui une vingtaine d'années, il a vraiment encadré. Mais la gloire est arrivé d'abord avec Mahbub Safar Bedi, ensuite avec Mohamed Bedi. Donc voilà l'environnement musical de Cheikh Amar Zahi. Dans lequel il a évolué. Alors justement, M. Bendamesh, dans tout cet environnement musical et dans tout cet environnement artistique dans lequel il a évolué, il a aussi su s'imposer quand même avec un style propre à lui. Tout à fait. Déjà, oui, oui. Et puis il y a toute cette aisance de passer bien d'un sûr. Rythme à un autre, d'un mode à un autre. Il avait ses secrets.
Il avait ses secrets et puis il est sorti un peu de la manière, de la tradition musicale classique que faisait l'Hajj Mohamed Al-Anqab, puisque le fondateur de ce genre moderne du XXe siècle, c'est l'Hajj Mohamed Al-Anqab. Il a faussé compagnie à son maître spirituel qui est l'Hajj Boujmal Anqis, et puis il reste tout seul dans son domaine qui est l'interprétation libre. Et il a été libre jusqu'au dernier souffle de sa vie. Il voulait être libre, il a été libre comme le veut la tradition de l'artiste. L'artiste doit être libre, on doit le comprendre et le laisser marcher. Et c'est ça le secret de Amr Zahir, le secret aussi avec son public, son grand public, son large public. C'est pour ça qu'on vient aujourd'hui. Donc dans ce livre, il y a sa biographie. La biographie avec, bien sûr, son parcours, avec la situation du Shabi, son origine, etc. Puis on rentre dans le Medih Dini, parce que lui-même a été dans le champ religieux, Medih Dini. Et puis, vers la fin, son amour pour la poésie Mlhoun. Et il est resté avec la poésie Mlhoun jusqu'au dernier souffle de sa vie. Voilà, Cheikh Amr Zahi. Ensuite, dans ce livre-là, il y a un corpus poétique. Toutes les poésies, pratiquement, sont consignées dans cet ouvrage. Et puis, bien sûr, la plus fidèle version possible, parce que ça reste pour l'histoire, ça reste une référence pour plus tard. Donc, on a mis tous les ingrédients possibles. Ensuite, il y a la discographie de ce monsieur. Tous les enregistrements, soit publics, soit privés, soit commerciaux, tout ça, c'est aussi indiqué dans ce livre. Et puis, la pièce maîtresse, pour ce qui me concerne, ce sont les témoignages de ses amis, les témoignages des musiciens qui ont été avec lui, les témoignages des personnes qui l'ont côtoyé de près. Ils étaient sur scène avec lui et il ne se comportait pas comme les autres artistes. Il se comportait d'une façon exceptionnelle, d'une façon qui n'est pas comme font tous les autres chez Chabi. Les gens sont carrés, il y a une mesure à faire et puis on l'a fait et puis on s'en empare. Lui, non. Lui, il peut être bien et il est bien. Il peut parfois ne pas être bien. Il est toujours bien, malgré que peut-être il s'arrête, il ne dit pas un mot pendant toute une soirée. Et ça reste comme ça, cette icône qu'on vient voir, qu'on vient soutenir, qu'on vient lui exprimer l'amour profond que lui porte son public. Et puis, ses fans, des milliers de fans conquis à sa cause, c'est comme ça qu'on le dit. Et puis partout en Algérie, ce qu'a tracé l'Hajj Mohamed Al-Anqab, lui, il a concrétisé. Voilà. Mais sinon, il faut dire aussi, Monsieur Ben Ahmech, que l'une des rares interviews d'ailleurs qu'il a accordées, parce que lui, il ne parlait pas. Quelqu'un de très silencieux, on le connaissait ainsi, mais l'une des très rares interviews c'est qu'il a. Hamid Kched, c'était un collègue de la chaîne 3, c'était un copain de l'Armo, et on travaillait beaucoup ensemble, et lui a réalisé comme ça dans une maison de ses amis à Babjdid, et puis à la Rome Valley précisément. Et puis ça reste le seul. Je lui ai fait moi-même un autre, puisque j'étais à la radio à cette époque-là, je lui ai fait aussi une émission qui n'a jamais été diffusé et je ne voulais pas le diffuser jusqu'à aujourd'hui. Je le garde précieusement. Je l'ai utilisé pour ce livre et je garderai pour l'histoire. Nous aurons l'occasion de l'écouter probablement. Pourquoi pas. Alors justement, pour revenir un petit peu à cette, j'ai envie de dire, peut-être seule interview qui existe, Amr Zahir Al-Salé, il a aussi exprimé un petit peu ses goûts prononcés aussi pour la musique andalouse. Pour la musique universelle, parce il que était, nous on le connaît est, toujours autant que Chabi. Oui. Et pourtant il avait ce goût prononcé il aimait toutes les. D'abord, il faut dire un mot sur ça, justement, il est universel. Il aime Chopin, il aime Victor Hugo, il est universel, il aime Manitas de Plata, il aime toutes les choses comme ça qui sont bien, ça s'incruste dans son esprit, dans son cœur. Il aime ça. Il n'a jamais de gens qui côtoyé, moi je l'ai côtoyé un peu les années 75-76, il n'a jamais dit un mot de travers sur l'artiste. Jamais.
Il dit toujours bien, oui, moi je ne suis qu'un chanteur populaire, très simple, s'il vous plaît, pourquoi vous mettez les lumières sur moi? Qu'est-ce que j'ai? Moi je n'ai rien du tout. C'est son langage, c'est son langage. Hamarza est un véritable phénomène. C'est à peu près le contraire de ce que peut faire un jeune aujourd'hui qui veut la lumière et qui veut peut-être plus de lumière qu'il faut. C'est comme ça que ça se passe et Hamarza était tout à fait le contraire de ça. Tout à fait le contraire. Il a quitté la scène, il a quitté la lumière, il a quitté l'avant-scène du monde musical Chabi, et c'est à ce moment-là qu'il a connu la gloire. La grande gloire qu'il a connue, c'est aujourd'hui, de mémoire, on ne connaît pas quelqu'un qui a eu autant de succès et autant aussi de fans passionnés qui le suivent partout et qui l'imitent en plus. Je me souviens, au moment où on a créé le Festival National de la Chanson Chabi, on est allé chercher, scruter tous les jeunes qui faisaient à l'époque au niveau national, les jeunes qui faisaient l'imitation du Chabi d'une façon générale, et les gens qui faisaient comme Hamar Zahi étaient les premiers tout le temps, partout en Algérie. Les Inqabi un peu moins, les gens qui font Grouabi également, mais celui le plus fort c'était Cheikh Hamar Zahi. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis passionné pour le dire, passionné aussi pour le mettre en valeur et passionné pour le laisser pour l'histoire. Ça vous dit qu'on a écouté un petit extrait? Avec plaisir. Avec plaisir. Et donc ce sera Gennouna de Beyrouth et on se retrouve juste après. Voilà, donc de retour. Alors, M. Bedahmet, il faut dire que le livre, donc, il se trouve en ce moment aussi là. Et hier, donc, vous avez organisé une vente dédiée. Ça s'est passé comment? D'abord, je dois remercier tous les amis, tous les gens, tous les passionnés de Marseille qui sont venus, qui ont fait le déplacement et qui ont attendu parce qu'il y avait beaucoup de monde pour la signature. Et puis voilà. Et ça continue jusqu'à la fin de. J'y serai aussi cet après-midi également. On va faire un plus de cet après-midi. Et puis, il y a aussi l'ARC, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, qui a produit un coffret consacrant également une autre icône de la chanson Chabi, qui n'est autre que Cheikh Hassissen. Et Cheikh Hassissen est un militant de la cause nationale. Il était membre de la troupe artistique du FLN. Il est mort d'ailleurs à Tunis. Et puis, on n'a jamais parlé de lui de cette manière-là, avec un produit, avec quelque chose de concret qui peut le garder dans l'histoire. Cette fois-ci, il y a un coffret et l'ARC, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, rentre dans ce créneau pour un peu équilibrer les 35-36 coffrets que j'ai déjà réalisés depuis 2012. Et maintenant, c'est l'établissement qui le fait et puis on engage surtout pour la mémoire de notre pays, la mémoire collective et la mémoire aussi individuelle qui est produite par ces grandes personnalités. On ne doit pas les oublier parce que eux-mêmes ne nous ont jamais oublié de leur existence. Effectivement, c'est très émouvant tout ça. Donc, il faut dire que c'est un prêt qui s'ajoute à toute une collection, aussi, encore une fois, une mémoire. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Bedahmet, d'avoir été parmi nous ce matin. On se retrouve cet après-midi, si vous le dites là, pour une finalement qui n'était pas programmée, mais qui s'est imposée. Absolument. Cet après-midi au stand de l'ENAG. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous encore une fois, Monsieur Abdelkader Bedahmet. Et ensuite, avec une chanson de Marzaï. Avec plaisir. Allez, on y va.
تثبت لي كيا ومية ألف كيا وكيا عينك يا قلبي بركاك ما تنوم غير نري والدنيا صدى عليا يا تران غنم بداوني الهموم غير نجري والدنيا صدى عليا يا تران غنم بداوني الهموم بداوني الهموم نهجر ننسى حيني ونريح لي نبغي زاد لي غيار لي نبغي زاد لي غيار طار عقلي وخلى الهوى ديني مرسلت القلبي نار على الجمار القلبي نار على الجمار نهجر قدام حيني مرسلت القلبي نار على الجمار القلبي نار على الجمار نار عقلي وخلى الهوى ديني والمليح اللي نبغي زاد اللي نبغي زاد لي غيار كتبت لي والمحنة كي بدات فيا ضربت ايدي وراني حسيتها اليوم كتبت لي والمحنة كي بدات فيا ضربت ايدي وراني حسيتها اليوم جاية عالغفلة وبدات بشوية هات قوة كي صلت على المشوم جاية عالغفلة وبدات بشوية هات قوة كي صلت على المشوم كي صلت على المشوم De retour sur le plateau, nous allons rester avec l'art et cette fois-ci nous allons nous intéresser au théâtre puisqu'aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale du théâtre. Nous en parlons ce matin en compagnie de nos invités. Madame Kenaï Wassila, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors vous êtes chargée de mission des affaires pédagogiques au niveau de l'ISMAS. Oui, exactement. C'est ça. Et parmi nous également, docteur Zafian Youssef, bonjour. Bonjour. Et vous êtes enseignant-chercheur au sein de l'ISMAS. Voilà. Au sein de l'ISMAS, voilà. Marhaba bikoum. Alors, il faut dire, donc aujourd'hui c'est votre journée. N'est-ce pas? C'est la journée mondiale donc, du théâtre. Alors, on va commencer un peu déjà par l'importance de la formation en matière de théâtre. Oui, merci madame. Donc, la formation du théâtre est importante en Algérie de façon générale et aussi dans le cadre
les diplômes des étudiants pour avoir un diplôme supérieur. L'Institut LISMAS, il est connu sous différentes appellations. Il est connu depuis longtemps, INAD, INADIS et ISMAS. Et aussi, il forme des acteurs, et aussi dans le domaine du cinéma. Le cinéma, le théâtre. Théâtre, aussi. Exactement. Et l'audiovisuel, de façon générale. Il possède deux filières, l'art visuel et l'art du spectacle. Offre plusieurs spécialités, telles que la première spécialité, l'art de l'acteur, la scénographie critique. Ça pour licence professionnelle. Et aussi master en mise en scène et aussi critique théâtrale. Pour on voit quand même que les études sont quand même assez poussées, assez lourdes. Hein, oui, exactement. Et aussi la deuxième filière, c'est la filière l'art visuel, comprend les spécialités de prise de vue et prise de son, ainsi master dans la direction de la photo. Voilà, alors à vous, Dr Zafen Youssef, il faut dire que le théâtre, d'une manière générale, les différentes institutions de théâtre, mais aussi l'ISMAS, vous travaillez en étroite collaboration. Et justement, pour marquer la journée mondiale du théâtre, bientôt, un colloque qui sera organisé. Donc, encore une fois, pour revenir sur l'importance et surtout la valeur ajoutée, on va dire, du théâtre. Oui, bien sûr. Vu l'importance de la journée mondiale du théâtre, qui a été instauré depuis 1962 par l'Institut international du théâtre, qui est une journée consacrée pour cet art de noblesse, qui est le plus ancien, comme on l'a essayé toujours de se nommer, le père de tous les arts. Donc l'ISMAS elle a mis en place un programme pour fêter cette journée, un programme qui sera scindé en deux grands axes. Il y a un côté académique stricto sensu, c'est-à-dire qui sera organisé autour d'un colloque avec la collaboration du Théâtre National TNA, en deux jours, le 28 et le 29 mars. Et on verra, il y aura beaucoup de conférences. On va rester peut-être sur le colloque avant de revenir un petit peu sur les journées théâtrales. Pour ce qui est du colloque, donc qu'en est-il un petit peu du programme, mais surtout la thématique principale qui sera débattue lors du colloque? Oui, la thématique principale sera consacrée au parcours, à la formation artistique en Algérie. On va essayer de tracer un petit peu le bilan, de voir un petit peu l'état des lieux de cette formation au sein des départements des arts. Comme vous savez, ces derniers temps quand même, il y a beaucoup de départements d'art en Algérie. Et il y en a combien? Il y en a, je pense, 8. Il y a Tlemcen, Mostaganem, Oran, Belabès. Il y a une faculté des arts et de la culture à Constantine. Il y a au niveau de l'Université d'Alger. Il y a bien sûr l'ESMAS qui reste le doyen de la formation artistique en Algérie depuis des années. Voilà, et il y a Djilfa aussi, faut pas l'oublier. Donc voilà, il y a beaucoup quand même de la formation artistique quand même. Il a pu ces derniers temps s'ancrer un petit peu dans le milieu universitaire. Il y a beaucoup de recherches académiques, il y a des tests de doctorat qui ont été faits dans ce sens. Il y a beaucoup de masterons qui sont sortis, qui sont des experts en leur domaine, si vous voulez, qu'ils soient dans les arts du spectacle, le cinéma, le théâtre, ou bien dans le côté des arts visuels, tels que le design, les arts plastiques, voilà. Donc, le colloque vient dans ce sens, afin de mettre en lumière justement sur la valeur ajoutée supposée et que la formation artistique a donné au secteur de la formation et de l'économie, de la culture en général, et de voir un petit peu quelle est aussi la valeur ajoutée qu'il peut donner dans l'avenir, surtout dans, comme vous savez, ces derniers temps, il y a la mise en place du baccalauréat artistique dans l'enseignement secondaire, chose qui est très importante, c'est un grand acquis pour la formation esthétique, à partir du moment que cela permettra un petit peu de valoriser d'abord les talents
dès le bas âge, parce que quand même les arts, c'est le pilier un petit peu de, si vous voulez, d'un développement, d'un épanouissement civilisationnel d'une nation. Cela permettra donc de découvrir les talents dès le bas âge, afin justement de les accompagner. Et surtout de les préparer aux études supérieures après. Exactement, de les préparer, comme ça ils auront quand même un background qui leur permettra de Pourquoi pas devenir des grandes carrières internationales. Pourquoi pas, effectivement. Alors je reviens à vous, Madame Quenaille. Donc encore une fois, par rapport à l'importance de la formation, est-ce que aujourd'hui justement il y a beaucoup de talents cachés et généralement on n'arrive pas toujours à détecter ce genre de talents. Mais sinon, est-ce que quand même vous trouvez qu'aujourd'hui chez les jeunes aujourd'hui, il y a quand même cet intérêt vers les arts, il y a quand même, j'ai envie de dire, cette orientation vers ce genre de formation et d'études. Oui, oui, c'est sûr. Donc, il y a les personnes ou bien les étudiants qui participent à ces deux événements, donc pour les journées théâtrales et aussi pour le colloque. Donc, on a vu, il y a des travaux qui vont être présentés, des spectacles et aussi des ateliers par des professionnels dans la scénographie, l'art de l'acteur et aussi dans l'écriture dramaturgique. En fait, concernant, justement, j'ai oublié un point pour les formations. Normalement, Inch'Allah, donc au mois de septembre, il y a une autre formation offerte. C'est l'écriture dramaturgique en master, donc pour l'année universitaire 2022-2023. Encore un autre acquis. Oui. Encore un autre acquis. Alors, mais sinon, en plus, docteur Zafen, en plus donc de ce colloque qui va se dérouler donc le 27 et le 28, c'est ça, oui, de ce mois, oui, il y a aussi les journées théâtrales. Oui, qui commence déjà aujourd'hui, mm-hmm, c'est-à-dire hier c'était la journée de la réception des troupes. Il y aura 10 spectacles. Bon, la spécificité un petit peu de ces journées théâtrales, ils seront consacrés beaucoup plus à des troupes qui viendront justement des départements des arts. D'accord. C'est-à-dire c'est le théâtre fait au sein de l'université, mm-hmm, par des académiciens. Ceux-là même qui ont reçu d'abord une formation académique, théorique, mais aussi pratique. Donc on va essayer un petit peu de voir la spécificité un petit peu de cette formation académique et quelle est la valeur ajoutée qu'il pourrait donner, si vous voulez, par rapport au théâtre amateur et de voir un petit peu de... Voilà, donc c'est pour cela, donc ils seront consacrés à des troupes, des étudiants, parce que c'est des journées consacrées, on a nommé des journées théâtrales pour des étudiants des départements des arts. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui va participer un petit peu, c'était un petit peu une forme clos au sein de l'ancienne université. Mais sinon, ça a commencé, vous avez dit hier, enfin la réception, ça va se dérouler jusqu'à quand? Bon, c'est sur 4 jours, donc jusqu'au 30 mars, du 26 jusqu'au 30. Voilà. Donc encore une fois, c'est une, on va dire, des journées qui ont été donc consacrées à au quatrième art. Au quatrième art, voilà. Et puis à des étudiants vraiment spécifiques. Exactement. Qu'en est-il du théâtre amateur? Le théâtre amateur, il aura bien sûr sa part, mais bon, le théâtre amateur, d'abord, il y a un festival national de théâtre amateur qui était là, donc, mais cette fois-ci, on voulait un petit peu se focaliser sur ce... Voilà, bien qu'il y a aussi beaucoup de... Il y a un festival organisé, je pense, par l'ONU, l'Office national consacré au théâtre universitaire, il y a le Bono de l'âme, tout ça, mais cette fois-ci, on voulait un petit peu voir, parce que... Oui. À partir du moment où la grande thématique, c'est la formation. C'est la formation. Et c'est la formation académique. Et artistique aussi. Voilà, donc dans le domaine des arts. On insiste, attention. Bien sûr, voilà. Donc voilà. Cette formation, il faut voir un petit peu, c'est une manière indirectement, c'est une manière d'évaluer un petit peu le produit aussi. Voilà, effectivement. Cette expérience que l'université algérienne a acquis à travers ce... Effectivement, et le colloque viendra pour évaluer donc, toutes ses compétences. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous ce matin, Madame Quenaille Wassila. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle, vous êtes chargée de mission des affaires
pédagogique au niveau de l'ISMAS. Docteur Youssef Zafane, vous êtes enseignant-chercheur à l'ISMAS. Merci, à l'ISMAS, pardon. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Nous restons quand même avec l'art. Et cette fois-ci, nous allons découvrir une pièce théâtrale qui a été Mariuma. C'est One Woman Show que je vous propose de voir. Et on se retrouve juste après. Après une expérience dans le monde audiovisuel, Mariuma Amiar renoue avec les planches du théâtre. Avec un humour original puisé dans le quotidien des Algériens, la comédienne d'El Bahia a séduit le public venu assister à son One Woman Show intitulé Mariuma. Le spectacle, c'est une artiste, une comédienne qui a fait les arts dramatiques معهد العالي للعلوم الدراميه و راحت باش دير كاستينغ في مسرحيه زعما باش تخدم فام دو ميناج في مسرحيه تيرمو الا بيان اكزيرسي مريوما un one woman show qui met en scène un personnage sarcastique à l'humour décapant avec un texte époustouflant du metteur en scène l'Amri Kawan. Un monologue plein de dérision, d'humour alliant ironie, rire et légèreté pour mieux explorer des problématiques sociales et sociétales comme le combat de la femme dans la société ou encore l'amour. J'assiste d'abord à la salle Maghreb, un spectacle qui était tout simplement magnifique, extraordinaire. Mariuma Amiar, c'est une jeune actrice et comédienne extraordinaire. Je peux le dire aujourd'hui, je viens peut-être d'assister à l'un des plus beaux spectacles de ces dernières années, car c'est un monologue qui touche à plusieurs sujets comme la société, l'économie, le tout avec une touche d'humour original. Mariuma, un one woman show qui met en scène un personnage sarcastique à l'humour décapant avec un texte époustouflant. Soufflant du metteur en scène, l'Amri Kawan. Et voilà, de retour. Et Yazid est déjà parmi nous. Yazid, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Yazid ? Béni soit ta journée. Merci. Mariuma, merci Mariuma. Après Mariuma. Après Mariuma. Mariuma. Ce sera à la fin de l'émission. Mariuma. Oui, Mariuma, chanté par Amr Zahi aussi. En plus. Ah oui. Effectivement. Ça va, Yazid ? Ça se passe ça bien ? Ça va, la baisse. Très bien, alhamdoulilah. Alors Yazid, voilà. Tu décides aujourd'hui de commencer par un carton rouge. Oui, c'est une tradition dans notre chronique hebdomadaire. So. Et puis c'est un carton rouge parce que avant-hier, je pense qu'il y a eu cette explosion, ce feu d'artifice, cette explosion pyrotechnique. Voilà, c'est un carton rouge parce qu'il faut faire attention. Non seulement c'est un boum boum ambulant, et puis ça a fait tout ça. Je pense à 6 heures du matin et ça a créé toute une panique. Je pense que quand on circule avec ce genre de boum-boum, il faut vraiment faire très, très, très attention. Voilà, donc on est en train de voir. Et puis on pensait que c'était un peu la fête, suite à la victoire de l'équipe nationale. Mais finalement, c'était un accident. Voilà. Encore une fois, chapeau bas à la protection civile. Oui, ils ont qui ont pu maîtriser les feux après. Absolument. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le carton rouge. Mais sinon, aujourd'hui, hommage au football. Oui, On s'en fout. Et puis tout ce qui est rang et apparemment est une balle de foot. Et ça a inspiré la littérature, ça a inspiré l'art en général, le cinéma. On voit par exemple Zinedine Zidane on va voir déjà le roman. Premier, c'est Rachid Boudjedala, l'un des grands romanciers algériens qui s'est intéressé à l'histoire du foot. Et ce roman, c'est le vainqueur de coupe. C'est l'histoire, en fait... Rachid Boudjedala qu'on retrouvera aussi là, cette année, Panaf. Le vainqueur de coupe, en fait, c'est l'histoire d'un match de finale de Coupe de France entre Toulouse et Angers. Et il y avait un Algérien qui était là dans le stade. Il était en train de voir le match, mais il était en train de préparer un coup. C'était de cibler un haki, c'est cibler un collaborateur du nom de Shekel. Et celui qui allait tirer, c'était Ben Sadok. Et l'histoire tourne autour, comment il se prépare, comment il doit pas... Parce qu'il y avait le président français, il ne fallait pas qu'il touche le président français.
il voulait cibler uniquement le collaborateur. Et là, tu vois, le match, le dribble, c'était un match vraiment, c'était très très fort. Il rentre dans sa surface de réparation, qui donne la balle, qui retourne, et le but. Donc là, c'était 4-2. Et en même temps, on doit suivre Sador qui était là pour vraiment cibler d'une manière vraiment direct, sans toucher personne. Donc il voulait dire qu'on est là et on peut la Fédération de France du FLN qui a ordonné, donc ils ont ordonné carrément de cibler Chekal, et finalement ils ont arrivé à le cibler et à le tuer sans toucher personne. C'était un peu pour dire que ce code d'honneur de la Fédération de France de ne pas toucher au président, parce que ce n'était pas la cible, il fallait toucher déjà les collaborateurs, le Benchara Chekal. Donc en fait, ce roman qui s'appelle le marqueur de coupe, le vainqueur de coupe, en fait, c'était parler d'une manière un peu, romancer un peu ce grand fait de guerre de la Fédération de France à travers un match de foot qui opposait Toulouse et Angers. Et même dans le club de Toulouse, je pense, il y avait deux Algériens qui ont joué, qui par la suite ont rejoint le FLN suite à la glorieuse équipe du FLN. Il y a aussi un autre roman de Rachid Boudjedala, La vie à l'endroit. Et dans ce roman, il y a un hommage particulier à un grand supporter de l'équipe nationale et du CRB, c'est Yamaha. Et là, il parle en 95 quand le CRB a gagné cette coupe en plein décennie noire, comment Yamaha était là, a créé cette liesse, a créé cette joie, et le terrorisme abject était là pour créer, en fait, transformer toute cette joie en une horreur, parce qu'il fallait la horde terroriste a tué Yamaha et a tué la joie, et nous a tous, tous les supporters du foot, tous les supporters donc de CRB, ceux qui voulaient la joie, finalement, ils ont essayé de tourner toute cette liesse en horreur. Et voilà. Donc il y a aussi Nordine Louhal qui a travaillé sur le doyen, donc le Mouloudia d'Alger. On voit donc les Mouloudia qui ont eu le triplé, je pense, en 75, ou en 75-78. Donc il y a eu le doublé et le triplé. Et puis il y a aussi d'autres qui ont travaillé sur... Et puis il y a aussi le Zizou, qui a inspiré pas mal d'écrivains. Oui. On voit Zinedine Zidane aussi, il a inspiré Jean-Philippe Toussaint, La mélancolie de Zidane, aux éditions de Minuit. Il y a également un autre livre, roman en fait, un travail romancé au nom de Zizou de Tarek Djerroud, donc de Béjaïa. Donc on voit un petit peu comment le sport a inspiré, et c'était aussi un matériau pour les écrivains, pour les auteurs, pour construire leur trame romanesque et pour un petit peu hisser ces symboles aussi dans au rang de la grande littérature. Parce que quand on parle d'une histoire de ce lynx qui est Zizou, vraiment, on ne peut faire que de la bonne littérature, parce que le sport aussi est un art. En fait, il y a même ceux qui ont demandé à ce que quand il y ait un beau but, un but d'anthologie, si on fait le replay, on doit payer quand même les droits d'auteur. Oui, effectivement, mine de rien. Et puis, il y a aussi un grand sculpteur algérien qui s'appelle Ben Abdesmed, qui a fait cette belle sculpture. Abdesmed, rappelons-le, qui est originaire de Betna et qui a fait les Beaux-Arts d'Alger. Aujourd'hui, c'est l'un des grands sculpteurs du monde. C'est le coup de tête, les gens. Oui. Mais bon, il y a certains qui critiquent parce que c'est une incitation quand même à la violence, mais ça reste un très, très beau geste. Et puis, ça rappelle un peu cette fierté algérienne quand on les touche dans les choses les plus intenses, les plus fortes. Donc, il ne peut que réagir comme ça. C'est humain, en fait. Voilà. C'est pas grave. Sur les cacous de boule. Rien que ça. Non, mais franchement, Il y a aussi le cinéma, parce qu'il y a beaucoup de films algériens qui sont inspirés du foot. Kahla Obeida de Bouguermouh, la Yahmou, et puis il y a aussi Omar Gatletou de Mazak Alouache. Il y avait aussi le match du Mouloudia, la Coupe d'Algérie avec. Et puis il y a l'inspecteur Tahar de Zakaria, l'inspecteur Tahar marque le but. Et c'est un film, je pense, qui a été le scénario de Chawati et réalisateur. Donc, je vous laisse voir un petit peu cet extrait de l'inspecteur Tahar marque le but.
تشكيل الفريقين. عندنا ما تسمعوا الا سمع الخير، فرقه اشاشه اتحاد الشرطه الشعبانيه عساس شبكه علي بلاكا دراعوا اليمين قدو المغنان دراعوا اليسار عيسى المدر شاف العساب وطاسة رئيسهم داداهم الريال يمنى بوبو الريال يسرى روبو المخ اليمين مجلخ المخ اليسار المدوخ شاف الصدمة الرامة جناحو اليمين قوندا جناحو اليسار ساسافيندا وساسافيندا عدل هذا مشهور بالضربات الفاشلة. رقم 12 الحشاش مطارقي شراوه من تيغنيف. رقم 13 شوشاوشي عنده واحد الزماك حلا بالمجبوط الكاراتي وهادو ما يدخلوا غير الى الزاكر وحال الطوارئ بدال. والمدرب اش ما تغلطوش ماشي هيلينرو هيريرا هذا هراندو الهامل بصح خير منه في حاجه مليحه يتام هو البريزيدنت تاع الفرقه دايرين النص النص. اما فرقه العديان عندنا يا الخوا لاز راس المهرات دوس علي سونتوس تريش وجه بليس الكواترو ديما على خاطرو سينكو روح الفريكو سيس في فرع اول سيس سبعة زيدو قريعة سوطة العويطة القراس المصلات الراي تالف الراي الحداش سيس الغشاش ورقم 12 تيتي ورقم 13 لانتريتي الاول يخدم في تراباندو الزاويش في رايور في بتيلاك والمدرب العظيم كوكا كوسكوس خدمته قبل ما تكتشفوا الوزارة يبيع الرايب في سيد الهواري. اما المرافقون نتاع الفرقتين عندنا يا الخوا بالنسبه لاشاشه الطبيب المدلك نتاع الفرقه كياس هايل شراوه من الغطايل من حمام البركه لمدينة جديدة وجاب معاه كل ما يلزم. واما فرقه العديان شراو لوطون المدرب وبنوا فيلا البريزيدان وعلى هذا ما عندهمش الامكانيات الماديه لكن بارك الله فيهم جابوا حتى هما المداحات من باريغو وزغراتات بغريزات. Vous l'auriez compris, hein, Yazid fait tout ça de l'ambiance dans le studio. Ouais, ouais. En tout cas, tu te l'aurais dit à Zagat. Oui, on est à Marigou, on t'a ça. On est à Marigou, on t'a ça. On est à Bon, ça reste quand même des séquences légendaires. C'est un clin d'œil à Oran aussi, hein, oui. C'est qui se prépare pour les Jeux méditerranéens. Pour les Jeux méditerranéens, voilà. Effectivement, pour ce mois de juillet. Mais sinon, nous n'avons pas vu le but. Oui, non, le but, il viendra, le but, on aura beaucoup de buts. Alors, je ne sais pas si en attendant de voir l'image du jour, Hanan pourra nous repérer. Elle est prête, voilà, avec Sahar Hanan. Allez, on va regarder quand même le but. Quand même, on va voir le but. Allez, droit au but. L'image du jour. Ce sera l'image du jour ? Oui, l'image du jour aussi. Oui, c'est très important parce que récemment, à l'occasion du 8 mars, il y a eu cette course dédiée aux femmes. Donc, il y a eu quand même ces images du village de Ait Waban dans la région de Ain al-Hammam. Et on voit finalement ces dames qui se sont prêtées au jeu avec des tenues traditionnelles et puis avec des rebooks, je pense. Donc, on est en train de voir ces images du jour qui ont marqué plus d'un, donc ils ont fait le tour et ils ont fait le buzz, voilà. Effectivement, et ben voilà, merci beaucoup Yazid. Il n'y a pas de but, hein. Ben, on le reverra. La prochaine fois, on le reverra. On va voir beaucoup de buts. On va demander à la programmation de Canal Algérie de programmer le film tout en entier. Oui, et puis avec Belmadi et tout, et le 11 national, on aura beaucoup de buts, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Yazid, merci beaucoup encore une fois pour cette belle ambiance que tu nous as créée. نهار العيد ان شاء الله نهار العيد ان شاء الله قريب العيد قريب العيد ما قعدلوش فوالا ميرسي بوكو يزيد اون سوا ديماش بروشان ان شاء الله اي توا دومان ميرسي بوكو ميرسي ا توا يزيد اون سو روتروف دونك ديماش بروشان بور نوتر سو ان شاء الله اي اون كونتينيو نو زالون روتروفي نبيل عباده دون ان تو بتي مومون كي نو زومنرا دو كوتي دو تيزي بزو مي افون سلا اون فو بروبوز سي بيلز ايماج دالجي اون سو روتروف جوست ابري
compris. Vous avez tout compris. Nous sommes toujours dans l'ambiance donc, du but de l'inspecteur Tahar. Nabila Abadaï parmi nous. Nabila, bonjour. Oui. Alors, rien compris. On a décontextualisé Nabila. Je vais t'expliquer de suite. Explique-moi. Nabila, tu as dit que tu es là pour le travail. Non, bonjour. Vous êtes dit que tu es là pour le travail. Juste avant. Juste avant. Pourquoi Raïba Sidi El Houari, pourquoi le Meddahat de Barigou? Parce que juste avant, Yazid nous avait proposé un extrait du film de l'inspecteur Tahar, il a marqué son but, et le commentateur donc parlait de l'équipe de l'Adienne. Voilà. D'accord. Et l'équipe de l'Adienne, donc il y a l'un des joueurs qui libère Raïb, donc du côté de Sidi El Houari, et puis Barigou. Voilà, donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Voilà. Vous n'avez pas vu toute l'ambiance que Yazid a mis? Ah oui, il était dans le match, lui, il était déjà dans le match. Alors, le match a commencé vendredi, aujourd'hui le match de l'inspecteur Tahar Larahmo, et on va continuer jusqu'à mardi. C'est qui est à chaque heure. C'est Tizi Ouzou. Hein? C'est Tizi Ouzou. Dès que Tizi Ouzou, il habite à l'intérieur. Donc, Voilà, le Meddahat, oui, alors pour ceux qui ne savent pas par rapport à le Meddahat, donc le Meddahat, ce sont des troupes exclusivement féminines. Exactement. Voilà, exclusivement féminines, donc qui chantent, donc généralement, ça va être des Meddahat. Pourquoi Meddahat? Parce que c'est le Madih au début, donc ça a commencé par le Madih d'aîné, et après, donc ce sont des chansonnettes pour animer un petit peu les mariages. Ouais. Et voilà. Toujours tirées de la société, toujours du vécu, c'est toujours des histoires très touchantes. Hein, voilà, aussi. Effectivement. Et alors, on va dire ce que vous avez là. نقول صباح الخير قولي صباح الخير انا برا هي بول المداحات الله يجعل الخير ماشي انا ماشي انا يزيد تسمى بالمداحات رياضه Mais c'est bien, on commence en ambiance. Ouais. Ah oui, j'aurais aimé avoir l'ambiance de Meddahat, tiens. Hanan, de Bayerasek. Voilà. Ah, mais oui, je suis allez. Arfo. Hanan. Ah. Allez, un extrait. Et on revient c'est juste après. C'est vrai? Oui. Super. Ah, ouais, Hanan. Non, c'est pas vrai. Non! Bon, Nabila, si on ne va pas aller à Tizi Ouzou, on ne va pas y aller cette matinée. On y va dès dans la matinée des neiges. Aïe, Ndeko, Maya, je vous embarque. On va faire deux endroits. Mm-hmm. On va visiter deux endroits. Alors, un endroit, un hôtel qui a été récemment restauré. C'est un hôtel étatique. Et ensuite, on va partir chez un privé. Donc, c'est deux endroits très agréables à Bnini. Et on pourrait aller passer la journée, le week-end et même quelques jours. Et le printemps est dans... Et on est en plein printemps. Bon, et c'est vrai que c'est une ville magnifique. C'est une ville et un endroit très agréable. Tout au long de l'année, oui, mais le printemps reste quand même exceptionnel dans cette exactement. Ville. Exactement. Non, mais j'ai adoré Bnini. C'est très coloré, n'est-ce pas, oui, c'est ça. Eh bien oui, j'imagine. Tu te rends souvent, Timbak? Oui, j'y vais. Oui, j'y vais assez souvent. Je suis venu à la belle idée. Je t'ai dit, tu es venu à Meddahat. Voilà. Non, Meddahat, c'est du côté de l'Ouest. Détends. Mais des rôles de soirée. Et pourquoi pas? Je vais aller voir tes émissions parce que là... نروحوا وي اون يبا على travers premier extrait allez on va voir le premier extrait on se retrouve juste après Je me trouve au village Bnini et plus précisément à l'hôtel Bracelet d'Argent. Bracelet d'Argent, cet hôtel existe depuis 1973, mais il a été récemment rénové. Nous avons rendez-vous avec son directeur, Monsieur Dali. Il va nous parler un peu plus de cet hôtel. Suivez-moi. Monsieur
Dani. Ça va, madame? Bouchrak. Ça va? Et vous? Ça va très bien, ça va. Merci d'avoir, de nous avoir accueillis au sein de votre établissement. Vous êtes la bienvenue, madame. Alors, dites-moi, c'est un hôtel qui a été rénové. Il existe depuis 73. Ouais. Et donc, on est à combien de du chef-lieu de la wilaya Tizi Ouzou? 40 km. 40 km, on est bien en haut. À 800-900 mètres d'altitude. Très bien. Donc, vous avez une dizaine de chambres, vous proposez la pension complète. C'est comme le veut le client. C'est-à-dire, on propose l'hébergement seulement, la demi-pension, la pension complète. D'accord. Là, vous êtes au restaurant. D'accord. C'est là. Bon appétit! On est haut quand même, hein? 850. Alors ici, donc il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur, c'est juste tout seul. Voilà. Donc la réception, il faut pour nous. On est descendu. D'accord. Ah, elle est beaucoup plus spacieuse. Elle est beaucoup plus spacieuse. Hein. Bon. Ouais, non, on peut rajouter des lits pour les enfants. Super. Voilà, c'est toujours, on a la vue, terrasse et tout. Ouais. Donc vous êtes prévenus, elle est belle comme, donc vous rentrez en contact avec l'hôtel. Avec l'hôtel, les numéros de la réception, on va vous les communiquer. Voilà. Et marhaba bikoum. Marhaba bikoum, on est Voilà, donc finalement, très mignon, hein. On aurait dit une auberge, vraiment une architecture très typique finalement de cet hôtel. Exactement, c'est très intime. Donc très souvent, on peut partir comme ça entre amis, en famille, prendre tout l'établissement pour soi. Et puis situé dans un endroit vraiment très génial, vert. Génial, en hauteur. Et j'ai une pensée pour quelqu'un. Pour qui? Dès que tu dis en hauteur, dès que tu dis montage, je suis là. Ah, ben l'état de vertige. Non, pas du tout. Du tout. Non, au contraire. Du tout. Mais tu connais Bracelet d'argent. Oui. Non, c'est très agréable. Et j'avais proposé, en off au directeur et au responsable de faire une extension, de rajouter d'autres chambres. Alors, non, on préfère que ça soit comme ça et je pense que c'est tant mieux. Ragda, ça va c'est peut-être une carte d'identité, finalement. C'est ça. Que ce ne soit pas du tourisme de masse. Voilà, exactement. Il manque une piscine. Aller aussi, on préfère aussi pas de piscine aussi parce qu'il va y avoir aussi des gens de l'extérieur qui vont pas venir à l'hôtel juste pour la piscine. Il va y avoir beaucoup plus de cohibouhu et là on recherche le calme. La sérénité et tout et vraiment c'est un pari gagné. Voilà. Donc ça c'était pour la première escapade. Il y en a une autre. Exactement. L'autre est beaucoup tannée qu'elle est. Elle est encore beaucoup plus agréable aussi. Et c'est un privé aussi qui a une petite auberge familiale. Alors on peut y passer la nuit. Et c'est sa femme qui fait à manger et les enfants qui l'aident pour investissement c'est très... familial. Exactement. On y va en escapade. Yalla. Allez, on y va. Alors là, on arrive au gîte Telitet chez Yassine. On va le découvrir ensemble. C'est un endroit merveilleux. Vous allez voir. Monsieur Yassine ? Monsieur Yassine ? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Il faut quitter, monsieur Yassine. Bienvenue. Bouchrak. Ça va, vous allez ça bien ? Ça va, ça se passe bien. Merci de nous recevoir, désolé pour le retard. C'est pas ceci, vous avez fait saïté quand même. Oui, ça va. Super. Mais ça vaut le coup, hein. On a fait une balade incroyable, toute l'équipe a adoré. C'est l'avantage d'ailleurs. Donc, c'est ce que je dis aux gens qui voudraient aller vers Tigisda, je leur demande toujours de ne pas se partager parce que là, ils profitent. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, oui. Le gîte. Bah, on est là, on est... Ça, c'est... Où déjà, t'as Talotat, alors qui veut dire la main du juif. Vous voyez là-bas. Donc le nom ancestral, c'est Talotat, qui veut dire l'auriculaire. D'accord. Cherchons à donner un nom ancestral carrément gîte, ben j'ai regardé, j'ai dit tiens, voilà. Bah, il est juste en face. Il est juste en face, il est là, donc voilà.
Bah alors, donc là, on fait de la restauration traditionnelle. Ah, très bien. Voilà, la cuisine, elle est de l'autre côté. Okay. Donc, on fait aussi l'hébergement traditionnel. Ah, super. Le concept, on lui a donné le nom, c'est nuitée chez mon grand-père. Et puis, il y a ceux qui préfèrent passer la nuit ici, il y a ceux qui préfèrent passer dans enfin, leur nuitée dans les maisons d'hôtes. D'accord. Il y a le bivouac. Un peu plus confortable. Un peu plus confortable. Et puis il y a le bivouac aussi. Nous avons des plateformes, nous avons deux plateformes de bivouac. Super. Et puis là, maintenant, on est en train de développer, on est en train de préparer de grandes chambres avec tout ce qui est traditionnel pour les gens qui aimeraient rester en montagne. C'est toutes les femmes qui habitent qui savent faire ça. Très bien. C'est pas sorcier non plus. C'est avec des légumes secs. D'accord. On fait tremper la veille, bien sûr. Et les chauffe. Et avec du poulet. Chiche. Et une aile, bien sûr, on égorge en principe un poulet. D'accord. Qu'on a élevé en principe à la maison. Okay. C'est un poulet bio. Ok. Donc qu'on égorge le jour, enfin la veille de Inaye, et on prépare avec le couscous que tout le monde, bien sûr, dans la famille mange. On doit être en famille. C'est toute la famille qui doit être réunie. Et c'est un truc principal. C'est essentiel que la famille soit réunie. Donc c'est pour manger bien sûr le couscous à Inaye. Et qu'on appelle Sksun Svei Soufer. Il y a la cheminée, hein. Oui. Il y en a échappé, hein. J'imagine que vous auriez compris pourquoi il y a tous ces rires à l'oreillette et tu nous as vraiment déconcentrés. Myriam, la première chose qu'elle a vue, c'était Raïp. Voilà, donc là, c'était deux belles escales que nous avons eues. Donc deux bonnes adresses, finalement, si on a envie d'aller un petit peu s'éloigner un petit peu de la ville. Les beaux jours. Les beaux jours. Donc. Yalla. Et puis il y a beaucoup de verdure à côté, n'est-ce pas, oui. Myriam? Parfait beaucoup. Pour la randonnée, j'imagine. Parfait pour la randonnée, oui. Justement restant dans la verdure, puisqu'aujourd'hui tu t'intéresses à une plante, donc oui. Une plante vivace. Exactement, donc le calancoé, pourquoi? Parce que c'est une plante qui est très très facile à cultiver, à entretenir, et surtout elle est parfaite dans les intérieurs. Donc pour les gens qui aiment et les plantes et les fleurs, c'est une plante qui fleurit pratiquement au moins 2 à 3 fois par an, en intérieur, et en plus la floraison elle dure très longtemps, c'est ça qui est très intéressant. Mmh. Donc c'est pas des petites fleurs éphémères qui vont durer 2-3 jours, là c'est vrai, ça va s'étaler sur pratiquement un mois. C'est donc génial. À chaque fois vous aurez des bouquets, et voilà, donc pendant un mois ça va être les couleurs, et surtout ce qui est beau c'est qu'il y a vraiment une panoplie de couleurs, donc qui va du blanc jusqu'au rouge pourpre. Donc là on peut faire des compositions, on peut avoir des compositions de couleurs. Et en plus si on a beaucoup de couleurs, exactement. Vraiment on peut penser au décor, on va dire. Tout à fait, donc en jardinière plusieurs couleurs. En plus ce qui est sympa c'est qu'on peut mettre les couleurs, parce qu'il y a certaines fleurs où on ne peut pas mélanger les couleurs, parce que sinon après les couleurs vont commencer à par exemple, comme par exemple le rose va, le blanc va se teinter de rose et tout. D'accord. Là c'est, ça, on n'a pas ce souci là, on mettra du blanc à côté du rouge et un peu de jaune et vous avez une composition magnifique. Et ce qui est sympa, c'est que ça ne grandit pas. Donc ça va rester tout petit. D'accord. Ça ne dépassera pas les 30 cm de hauteur. Et chaque année, on a juste un petit peu à couper et à repiquer. Et voilà, c'est vraiment super sympa. On regarde. On regarde tout ça en image. Alors, le calancoé, donc qui est une plante vivace et surtout une succulente. Voilà. Le printemps est l'occasion rêvée pour balayer la grisaille de l'hiver et apporter de la couleur à nos intérieurs. La beauté du calancoé est connue des fleuristes et des horticulteurs. Cette plante est très souvent utilisée pour donner du cachet à une composition florale avec ses couleurs vives et pétillantes. De nombreuses variétés de calancoé. Ce sont des succulentes qui fleurissent 2 fois par an et leur floraison dure plus d'un mois. Elle est très appréciée comme plante d'intérieur car l'atmosphère de nos maisons lui convient parfaitement. À condition de la placer près d'une fenêtre ou dans une pièce bien éclairée. L'entretien du calancoé est relativement simple.
Mais il faut savoir que trop d'eau peut faire pourrir ses racines. Vous trouverez les calanchoés dans toutes les pépinières sous une déclinaison de couleurs allant des pastels jusqu'aux couleurs les plus vives. Et voilà, vraiment très très joli. Ça donne des idées déjà pour j'imagine la maison pour la déco. Non le balcon. Il y a des plantes partout. Le balcon, oui. Le balcon, oui. Vraiment, on aurait dit aller dans un petit jardin. Oui, voilà. Je passe mon temps. Et après, même pendant certaines années, je plantais même le, comment on appelle ça, le chiche, madno. J'avais tout ça dans la jardinière. Génial. C'était sympa. Et puis ça sentait très 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 bon. Et puis je te dis pas l'odeur. Hein. Ouais, je te dis pas l'odeur. Bah oui, il y a pas de pesticides, pas d'insecticides, pas de produits chimiques. Donc c'est ce que j'essaye de faire aussi. Même parce qu'il faut savoir que les plantes demandent toujours de l'entretien. Mmh. Bon, si on veut la facilité, on va vers les pesticides, donc on a juste à pchiter un peu. Mmh. Et si on veut un petit peu se casser la tête, on fera ses propres pesticides, on va dire naturels, donc toujours un petit peu de bicarbonate, un peu d'ail, un peu d'oignon. Mmh. C'est vraiment des trucs vraiment qu'on a sous la main à la cuisine. Sous la main. Oui, voilà. Dans de l'eau, on fait macérer pendant 2-3 jours et après on pchite sur les plantes et c'est super efficace, sans compter, c'est bio et naturel. Voilà, donc pour revenir un peu à la plante d'aujourd'hui, donc elle est accessible, j'ai envie de dire, sur le plan prix. Oui, sur le plan prix, franchement, c'est une plante qui coûte vraiment pas cher. Donc, un petit pot, on peut l'avoir entre 150 dinars jusqu'à 200 dinars. Ah. C'est vraiment le grand maximum. Donc, déjà, si on en achète 2-3 et surtout si on s'éloigne un petit peu. Donc, si on va du côté, comme moi, cette pépinière, c'est du côté de Stawale. Donc, à partir de 100 dinars, on a un petit pot. C'est génial. Et voilà. Mmh. Et ce qui est sympa, c'est que le bouturage est très facile. On a juste à casser comme ça une petite branche et la mettre à côté et on la laisse, elle reprendra après. Nabila ne prendra pas de risque. Non, on aura peur de la casser. Tiens, la prochaine fois, je ferai une petite démonstration avec toi en direct. Ah allez, bon? Promis. Oui. Et tu mettras les mains dans la terre. Ah ben voilà. Hein? Ça y est. Parfois, tu sais, Nabila, on pense que nous n'avons pas la main verte, c'est parce que nous n'avons pas réellement essayé. Mmh. Mais là, je peut-être qu'on allait. C'est ma mère, ma sœur, enfin même Farah, ma petite sœur, c'est. Voilà, parce que finalement, il y a toujours quelqu'un qui le fait pour nous, donc on a tendance un petit peu à des fois, quand ma mère arrive à la maison, on fait Nabila, tu rajoutes juste un peu d'eau. C'est tout. T'as rien demandé. Peut-être que ça viendra. Peut-être. Allez. Premier cours sera avec toi, allez, Mariam. Ça donc, c'est moi qui vais le faire. Rendez-vous. Allez, d'accord. Voilà, rendez-vous pris. Et on mettra toutes les deux, je pense, à la main à la pâte. Sûrement. Sûrement. À la terre. Oui. À la terre, pas à la pâte. À la terre. Voilà, merci beaucoup, les filles, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci donc pour cette escalade Tiziouzou. Merci encore, Mariuma, pour le calanchoé. Voilà, le calanchoé, effectivement. D'autant plus que ça facilite par rapport au décor de la maison, donc exactement. On peut vraiment choisir des couleurs très facilement, que ça soit en intérieur ou en extérieur. C'est comme en intérieur ou en extérieur. En intérieur en extérieur, les deux, ça lui va. C'est vraiment la plante la plus facile à avoir. Ah ben voilà, merci beaucoup. Donc voilà, on commence par là. Et vous mieux. Merci beaucoup les filles, encore une fois, d'avoir été parmi nous ce matin. Nous arrivons à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir de vous avoir accompagné cette matinée. Je vous retrouverai avec un grand plaisir dès demain à partir de 8h. Et rien que pour vous, les filles, on va se quitter avec... El Meddahat. Eh oui, on l'a trouvé tout à l'heure. El Meddahat pour maintenant. Merci beaucoup, agréable journée à tous.